oublié où est-ce qu'il est. Plus ça va, plus se lève tard. Oh, mais enfin, laisse-le. De toute façon, il ne peut appeler personne avant 9h. C'est fou, ça. Faut toujours que tu lui trouves une excuse. J'aimerais bien t'y voir, toi. Si tu avais perdu ton job du jour au lendemain... Mon job, je suis policier, c'est un métier, ça, c'est pas un job. Ça va déjà faire 4 semaines que ça dure. 2. Oui, mais c'est plus un gamin. À t'entendre, j'ai l'impression que tu as hâte de t'en débarrasser. Il est tout de même chez lui, ici. Essaie de comprendre, Marianne, je me fais du souci pour lui. Ce n'est pas un idiot, notre fils. Pas en faisant la grasse matinée. Maman? Oui? Maman, t'es où? Je suis là. Quant à Sandra, c'est pas normal non plus. Je pars plus tôt aujourd'hui, désolé. Oh, Paul, tu pourrais... Non. Bon, à ce soir. Prends ton œuf au moins. Merci. À ce soir. Maman? Oui? Je crois bien que le bébé arrive. Tu es sûre de ça? Oui. Habille-toi dans ce cas, j'appelle un taxi. Ah, oh, c'est encore une fausse alerte, comme d'hab. Je t'ai laissé le journal. Tu trouveras peut-être une annonce ou deux aujourd'hui. Ouais, merci. Dépêche-toi, maman. Respire à fond, comme on t'a appris au cours d'accouchement sans douleur. C'est bon, je prends. Parleur, bureau de Lienhardt. C'est Marianne. Lienhardt, mon mari n'est pas là. S'il est arrivé, mais il est avec le patron. Oh, c'est la panique totale ici. La fille du conseiller général a disparu. Si vous voulez lui laisser un message... Oh oui, s'il vous plaît. Dites-lui que Sandra et moi, nous sommes en route pour l'hôpital et que le bébé arrive. Allô? Allô? Oui, oui, je lui transmettrai. Merci. Il n'y a pas de quoi. Hé! Hey. Qu'est-ce que t'as d'en fait de tête? Rien. Papa est avec son patron, mais Roller va lui passer le message. Calme-toi, surtout ne t'affole pas, Sandra. C'est atroce. Ne t'affole pas, mais roulez un peu plus vite! Fausse alerte, Madame Lienhardt. Votre fille arrive, elle sera bien. Pour mon premier, c'était exactement la même chose. La prochaine fois, il faut qu'elle attende d'avoir des contractions toutes les 5 minutes avant de venir. Il vaut mieux venir à la maternité une fois de trop que de perdre le bébé. Oui, oui. Maman. Ma bichette. C'est bête. Assure-toi, je n'en connais pas un qui soit resté dans le ventre de sa mère. Tu te sens de rentrer toute seule en taxi? Je commence à être très en retard, là. Pas de soucis. Excuse-moi. Je regrette que le père de ton enfant soit déchargé de tous ses problèmes. Pitié, maman. Tu ne veux toujours pas me dire qui c'est. J'ai pas envie d'en parler. J'aurai cet enfant toute seule, j'ai pas besoin de lui. C'est vrai que tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que t'as? Je croyais que t'étais très contente pour le bébé. Mais enfin, tu l'as aimé, que je sache, au point de vouloir faire un enfant avec lui. Maman, combien de fois je te l'ai dit? C'était une grosse erreur. Je ne te crois pas, c'est bizarre. Ça, tu peux le dire à ton père, d'accord, mais pas à moi. C'est pas facile pour ton père. Olivier n'a plus de travail et toi, tu veux élever ton enfant toute seule, alors que tu n'as même pas fini tes études. Ça te va bien de dire ça. Olivier non plus, vous l'aviez pas prévu à l'époque. Non, attends, là tu exagères. On était ensemble, ton père et moi, et lui, il me soutenait. C'est pour ça que ça a marché comme sur des roulettes pour toi. T'as fait des supers études de musique et ensuite t'es devenue la plus grande pianiste du monde, hein? Tiens, de quoi payer le taxi? Moi, je vais marcher, ça va me faire du bien. À ce soir. Bonjour, Marianne. Souviens-toi que la journée commence à 9h ici. Ah, je sais bien, mais j'ai loupé mon tram et Sandra a encore eu des contractions. Il a rien remarqué? Lui, remarquait quelque chose, tu parles. Oh, c'est si grave que ça? Non, mais il est déjà d'une humeur de chien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Mais toi, tu as encore un rendez-vous à 10h chez le médecin. Comment tu peux oublier ça, enfin? Tu sais quoi? J'ai pensé à un truc ce matin. Moi, je vais aller avec toi. Et après, ma chérie, on ira faire un tour dans cette nouvelle boutique, tu sais, rue Wagner. Tu y es déjà allée, c'est génial. On va t'acheter quelques fringues sympas. D'accord?
C'est très gentil, mais je peux me débrouiller toute seule. Tu es sûre? Madame Evelyne! Arrête de jouer les durs. Même moi, j'aurais la trouille avant un rendez-vous comme ça. Rien que d'y penser. Oh, cette attente, ça me rendrait, mais alors, complètement folle. Dis-moi plutôt ce que je dois faire avec Sandra. Elle est très insouciante par rapport à tout ça. Tu trouves? Bon, c'est quoi le problème? Elle est assez grande, non? Et aujourd'hui, une femme qui élève seule son enfant, ça n'a rien de catastrophique. À propos de catastrophe, où vous en êtes dans votre couple? C'est quoi cette question? Marianne, c'est clair que tu ne vas pas bien. Tu es stressée et Paul est tout le temps parti. C'était quand la dernière fois que vous avez fait un truc ensemble, comme par exemple aller au concert? Ce ne sera pas toujours comme ça. J'espère, sinon il t'arrivera la même chose qu'à moi. On se rend compte de rien, on laisse courir et un beau jour on divorce. Madame Evelyne! Cela dit, jusqu'ici je n'ai pas regretté une seule fois d'avoir divorcé. Ah. Vous nous honorez de votre présence, madame Lina. Bonjour, monsieur Holtzman. Bonjour. À quelques heures près, c'était bonsoir. Et pour ne rien arranger, tout va mal ici. Ce pianiste qui, d'après vous, était comment déjà charmant et fiable, et que vous aviez retenu... Léonid Krossovski? Oh, mais j'ai rarement vu un tel talent. Il s'est décommandé. Pardon? Raison personnelle. À d'autres. Votre grand talent, promis à un avenir encore plus grand, adore picoler. Il est en cure de désintoxication. Oui, mais là, il n'y est pour rien, Marianne. Le jour où ce séduisant jeune homme est venu à l'agence, je peux vous assurer qu'il n'avait pas bu. Et ses références étaient très éloquentes, pas vrai, Marianne? Bon, trouvez-moi un remplaçant, tout le reste n'est que blabla et on perd son temps. Oui, bien sûr, monsieur Holtzman, nous allons en trouver un. Votre sachet de thé? Non. D'accord. Marianne? Marianne, tu as encore mal? À mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Oui, merci. Au revoir, docteur. Pardon. Au revoir. Son dossier. Le docteur va vous recevoir, madame Lennart. Ne me passez aucun appel pendant la consultation. Si toutefois j'ai besoin de vous. Oui, j'ai compris. Merci. De rien. Ça ne se présente pas bien. J'en suis navrée. Votre médecin traitant vous a envoyé chez moi beaucoup trop tard. Mais ce n'est pas un reproche. On détecte difficilement les tumeurs au pancréas, ce qui les rend d'autant plus malignes. Nous devons par conséquent vous opérer au plus vite. Parce que sans cette opération, il ne vous restera peut-être... mais... que quelques mois à vivre. J'ai parlé très longuement hier soir de votre cas avec le docteur Charles Walter. Je connais très bien Charles et nous avons fait nos études de médecine ensemble. C'est un excellent chirurgien. Madame Lennart, en avez-vous parlé à votre mari depuis notre dernier rendez-vous? Je vous en prie. Il ne faut pas garder ça pour vous. Ce serait bien d'en parler avec un proche. Réfléchissez bien. Cette opération n'est pas sans risque. Mais plus vite vous vous ferez opérer et mieux ce sera pour vous. Appelez-moi quand vous voulez. Quelle que soit l'heure, nuit et jour. Dès que votre décision sera prise. Ou si vous n'avez plus de médicaments. Je vais essayer de vous avoir un rendez-vous pour lundi ou vendredi. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux ? Donc les parents et moi, on a passé en revue tout son emploi du temps de la journée. Leur fille avait cours à l'école d'interprétariat rue Karl Liebknecht jusqu'à 13h. Ensuite, elle a appelé sa mère d'un café, le dit café étant situé dans la rue Gottschall. Et là, il était environ 14h15. On ne sait pas ce qu'elle a fait entre ce coup de fil et 17h. En revanche, vers 17h20-17h30, elle a été aperçue par une de ses copines à la gare centrale, alors qu'elle montait dans un taxi. À partir de là, on perd sa trace. Ça veut dire que Jessica Kuhn a disparu depuis plus de 36 heures. Et le chauffeur de taxi? Il ne s'est toujours pas manifesté, on ne va pas rester là à l'attendre. Oui? Votre femme vous attend dans le couloir, Paul, et elle aimerait vous parler.
Elle est ici? Mais je suis en réunion. Dites-lui que je l'appellerai. D'accord. On lance un avis. Photo et signalement de la fille à toutes les patrouilles en service. Chauffeur de taxi, aéroport. Je suis désolée, Madame Lienhardt. Votre mari ne peut pas se libérer. Une réunion de travail avec son équipe, mais il a dit qu'il allait vous rappeler dès que possible, certainement après la réunion. Merci. Au revoir, Madame Lienhardt. Elle vous plaît, cette photo? Oui. Elle me rappelle un lac où j'allais me baigner et où j'ai failli me noyer étant jeune fille. Oui, mais ce jour-là, il y avait un jeune homme pas loin qui, n'écoutant que son courage, sauva la jeune fille. Et après toutes ces années, le garçon se demande encore si la fille n'avait pas fait ça juste pour le décoincer. Ou si elle était bel et bien en train de se noyer. Oui. Philippe, ça alors, quel drôle de hasard. Non. Il n'y a pas de hasard dans cette rencontre, j'en suis persuadé. La photo est de moi. J'ai affaire à Leipzig et c'est justement là que je tombe sur toi. Ce n'est pas un hasard, Marianne. Oh, et puis je ne te l'apprends pas quand on évolue dans le milieu de la haute finance. On ne voyage pas en train, hors de question. On ne prend pas non plus l'avion avec le commun des mortels. On se déplace en jet privé. Eh oui. Et puis un jour, en atterrissant à l'aéroport d'Orly, le crash. Je m'en suis sorti. Un miracle. Mais après... Ouais. Après, je n'ai plus été le même. Tout ce qui m'avait paru important jusque-là, subitement, ça ne l'était plus. Ça n'avait plus le moindre intérêt. J'ai laissé tomber ce boulot à la banque. Disons que... il fallait d'abord que je voie où j'en étais. Ça a été très dur. Mais en fin de compte, j'ai réussi à passer le cap. J'ai laissé toutes mes appréhensions de côté. J'ai regagné une indépendance, j'ai tout recommencé à zéro. Nouveau départ, nouvelle vie. Je suis devenu journaliste. Ah, quel bavard. Je parle. Et toi, raconte. Contrairement à toi, je n'ai pas pu passer à l'Ouest. Je suis restée à Leipzig, finalement. À l'époque, tu étais une excellente pianiste. Tu voulais étudier la musique et donner des récitals un peu partout dans le monde. Ah, désolé. Mon rédacteur en chef. Je reviens, ce sera pas long. Oui? Oh. Combien je vous dois? €9,50, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Oh, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Oui, oui, d'accord, comme convenu. Oui. Très bien, merci. Ne me dis pas que tu pars déjà. Il faut que j'y aille.
Ce n'est pas à cause du coup de fil. Attends, si tu veux qu'on soit tranquille, je me mets sur répondeur. Non, c'est pas ça. Je dois m'en aller parce que j'ai rendez-vous à mon agence. Je comprends. Mademoiselle? Non, j'ai payé, Hélas. Merci. Je peux te poser une question? Les photos dans cette galerie, est-ce qu'elles sont toutes de toi? Non, non. Non, juste celle-là. Et elle est d'époque. Je suis journaliste, Marianne, pas artiste. Il faut vraiment que je vive quelque chose d'exceptionnel. Pour être inspiré et pouvoir créer une œuvre d'art. Je vois. Désolée, mais je dois y aller maintenant. Tu veux que je te dépose? Volontiers. Marianne, il faut absolument que je te revoie. Pourquoi? Quand je t'ai retrouvée tout à l'heure, Marianne... Non, je vais le formuler autrement. Là aussi, je voudrais tout recommencer à zéro. De préférence à partir du moment où on s'est perdu de vue. Philippe. Oui. Je ferais beaucoup de choses pour ne pas dire tout différemment. Oh, Marianne, tu n'as jamais rêvé de ça, toi, d'avoir à nouveau 17 ans? Bon, mais en ayant dans la tête tout ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, mais tu sais très bien que ça n'est pas possible. J'aimerais quand même tenter le coup. Pourquoi tu es parti à l'époque? Parti n'est pas le terme, disons plutôt que je n'en suis pas revenu. Tu te rends pas compte, c'était si facile pour nous de rester à l'ouest. Ils adoraient les nageurs de la RDA. Et puis, toi? Toi, tu étais tellement obsédé par ta musique qu'il n'y avait pas de place pour moi. En tout cas, c'est ce que je me disais. Pas d'autres femmes? Si, bien sûr, mais beaucoup plus tard. J'ai été marié deux fois. Mais les deux fois, ça a été un désastre. Après, une femme comme toi, ça ne pouvait que rater avec les autres. Menteur. Merci quand même. Tu comptes prendre racine? Enlève ton pied. On se voit ce soir, si tu veux. D'accord. Demain, là? À midi? Oui, pour déjeuner. Bonne idée. Je vais nous trouver un endroit sympa. Je viens te chercher quelque part. On peut se retrouver dans ce café? Ça marche. Alors? Alors? À demain. À demain. Je suis très heureux de t'avoir retrouvé, Marianne. Tu peux pas savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? J'ai un petit ulcère à l'estomac. Un petit ulcère à l'estomac? Dis-moi, il a appelé, Paul? Non. On fait quoi, alors, pour le pianiste? Il va falloir en trouver un. Moi, qu'il le trouve, Holtzmann. Il est pas manchot. Comment il s'appelle, hein? Qui? Philippe Hyde. Madame Evelyn! Ah, lui, je peux plus, c'est un vrai boulet. Philippe Hyde. Marianne! Maman? Oui, le scoop de la journée. Olivier a une piste dans une boîte de matériel informatique. C'est très bien. Osnabrück? Ça me semble plutôt intéressant. J'aurai une formation de 2 semaines à Osnabrück, mais après, faudrait malheureusement attendre janvier pour que la boîte ouvre une succursale ici. Ça m'a l'air pas mal, tout ça. T'as entendu ce que j'ai dit? Janvier? Oui. Ça fait pratiquement 5 mois. Papa ne va pas supporter que je reste aussi longtemps à la maison à rien faire. Surtout si, en plus, il y a un môme qui braille dans le coin. Qu'est-ce que je vais faire ici, moi, hein? Tondre la pelouse? Non. Si encore il me laissait bricoler son bateau, ça pourrait aller. Ça fait des mois que personne n'y a touché, puisqu'il fait tout mieux que les autres. Papa a appelé. Faut pas l'attendre pour dîner, il va rentrer super tard. Génial. Tu veux bien éplucher les pommes de terre? Laisse, je m'en occupe. Et alors?
Tu ne dînes pas avec nous? Non, je ne me sens pas très bien. Pourquoi Alexandre Roller, c'est fini depuis longtemps avec lui. L'un n'empêche pas l'autre. Tu entends ça? C'est maman. Là, c'est clair qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des années qu'elle s'est pas mise au piano. Vas-y, continue, maman. Il est désaccordé, ce piano. Qu'est-ce que t'as? Il y a un truc qui va pas, hein? C'est à cause de papa? C'est parce qu'il rentre pas? Non, non. Allez, retourne et manger. Est-ce que tu m'as monté le linge, Olivier? Ouais, ouais. Si tu veux que je le repasse? Non, non, c'est bon. C'est terminé l'enquête. Oh, pardon, je t'ai réveillé. Non, non. Je pensais à nous. Je suis désolé, j'ai pas pu faire autrement. C'est le branle-bas de combat là-bas. Les Kuhn nous font tourner en bourrique et impossible de retrouver leur fille. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? J'ai oublié. Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? On est comme deux étrangers, toi et moi. C'est vrai, avant on discutait pendant des heures. C'était bien, j'avais toujours l'impression de comprendre ce que tu ressentais. Aujourd'hui, tu me manques. Il y a ton travail, bien sûr, et je comprends que tu aies à cœur de retrouver cette jeune fille. Mais j'ai l'impression depuis quelque temps de te déranger. Je sens que je ne suis plus la bienvenue quand j'ai quelque chose à te dire. Et le soir, on tombe de fatigue. Les jours passent, les semaines, les mois. Et puis un jour, c'est la vie qui est passée. Que ce soit déjà fini, Paul. Paul? Je ne peux pas croire que ce soit déjà fini.
Tu t'en vas déjà? Oui, il faut absolument que je sois à l'heure à l'agence. Laisse ton père dormir, sauf si quelqu'un l'appelle. Il n'est pas rentré avant 2h30 cette nuit. C'est pas vrai, tout ça pour un salaire minable. Et s'il te plaît, reste à la maison, c'est mieux que ta sœur ait quelqu'un avec elle. C'est pas un problème, mais tu prendras la relève, hein, au cas où. Et si elle accouche, je lui tiendrai pas la main, moi. De toute façon, tu sais où me trouver. Ouais. L'agence de concert Holtzmann vos à la... Marianne? Je ne viendrai pas aujourd'hui. Ne me demande pas pourquoi, s'il te plaît. Tu n'as qu'à dire à Holtzmann que je suis en arrêt maladie. Bon, mais sans vouloir être curieuse, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te dis, je ne peux pas venir. Tu t'en sortiras très bien toute seule, je t'appelle ce soir. T'aurais pas rendez-vous avec ton séduisant camarade de classe? Je te laisse. Je suis de tout cœur avec toi. Vous aviez raison, finalement. La rouge me va beaucoup mieux. Vous la gardez sur vous, peut-être? Oui. Vous faut-il des chaussures? Oui. J'ai un modèle qui devrait vous plaire. Installez-vous là. Soyez franc, vous trouvez que ça me va, cette coiffure? Je ne sais pas qui est l'heureux élu. En tout cas, c'est sûr et certain qu'il va craquer et qu'il va vouloir vous épouser. Il ne manquerait plus que ça. C'est en 1885 que Félix Mendelssohn, Bartholdy et sa famille se sont installés dans ce bel étage. À l'époque, Mendelssohn dirigeait des concerts en ville, et c'est dans ce salon que la famille recevait ses invités, des privilégiés qui pouvaient à chaque fois apprécier son talent. Magnifique. Bravo. Vous êtes pianiste? Vous donnez des concerts? Il y a longtemps que je n'en donne plus. Mon piano chez moi est désaccordé, c'est affreux. Celui-ci a un son merveilleux. Merci. Excuse-moi, mais j'ai eu le coup de foudre pour un piano de concert. Tant que tu n'as pas eu de coup de foudre pour le pianiste, ça va. J'y vois aucun inconvénient. Ah, je te trouve rayonnante. Merci. Viens. Tu tiens vraiment à ce qu'on mange ici? Quand on te voit, on se dit tout de suite qu'il faut trouver une ambiance digne de ton incroyable charme, Marianne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, la jolie terrasse d'un vieil hôtel au bord de la mer, avec vue sur les falaises. Un de mes amis a un avion toujours prêt à décoller. On pourrait être à Rügen en 2 heures. Rügen? L'auberge de jeunesse, la plage? Et surtout le haut de ton ravissant maillot de bain à petite fleur qui avait glissé. Le genre de souvenir que je qualifierais d'inoubliable. Donc toi, tu ne te souviens que de cet incident? Non, j'ai d'autres images en tête. Le feu de camp et je ne sais plus son nom qui jouait de l'harmonica. Tu m'as regardé tellement longtemps, droit dans les yeux, à travers les flammes. J'arrivais plus à trouver ma respiration. Tu te souviens de ce soir-là? Oui, oui, c'est encore très présent. Quel merveilleux souvenir aussi, la première fois qu'on a fait l'amour. Oui. Qu'est-ce qu'on décide? On y va? Comme ça, alors. Comme ça.
Les gars, je m'en occupe. Et que les plongeurs soient prêts à intervenir. Les falaises là, regarde. Ouais. C'est une impression extraordinaire. Je t'avais dit que tu ne le regretterais pas. Oh. Bel endroit, hein? Ah oui, vraiment très très chouette. Bonjour Evelyne, c'est Sandra. Je peux parler à maman ? Non, elle a pris sa journée, ma grande. Ah bon ? Comment ça ? C'est curieux, elle nous a dit qu'elle voulait arriver à l'heure à l'agence et... Tu sais pourquoi elle a pris sa journée ? Tu sais où elle est ? Non. Bon, mais d'accord, merci. Au revoir. Ça va aller. Ah, attention, je vais te lâcher. Je vais faire une photo. Bien. Non, ça suffit. Non, 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 non. Allez, viens. Merci. Oups. Ça te fait ça, toi aussi ? Quand je suis au bord de la mer, c'est drôle, je me sens comme chez moi. Et je vois tout d'un autre œil. Les problèmes, tout à coup, ça devient secondaire. J'ai toujours rêvé d'habiter sur la côte. Ouais. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? C'est vrai, qu'est-ce qui t'en empêche ? Un mari, des enfants, ton Chut, travail peut-être. Philippe. Vas-y, dis-moi. Tu me fais pas confiance ? Si. Non, enfin. Toi et moi... Ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, je trouve. Et il vaut mieux que ça reste comme ça, finalement. Olivier ? Alors, est-ce que tu m'autorises quand même à imaginer la vie que tu as eue, toi, après qu'on se soit perdu de vue ? Je t'en prie. Bon, alors... Compte tenu de mon ego surdimensionné, je dirais que... Que tu n'as jamais pu m'oublier. Et que, comme désespoir de cause, tu t'es lancé à corps perdu dans la musique, dans ta carrière de concertiste. Oui. Tu as joué à Paris, Londres, New York, devant des admirateurs subjugués, une foule d'hommes à tes pieds. Et tel que je te connais, je suis sûr que tu leur as brisé le cœur. Et alors qu'au fond, tu avais quasiment renoncé à trouver celui avec qui tu partagerais ta vie, il est enfin apparu devant toi. C'est à peu près ça, non ? Je reconnais que c'est bien vu. Quoi ? T'as pas de contraction ? Mais j'ai trouvé quelque chose, écoute bien. Ésophagonol, prescrit en cas de douleur particulièrement aiguë à l'estomac et au pancréas. Maman a des problèmes d'estomac, ça n'a rien de nouveau. Mais il est délivré uniquement sur ordonnance et que dans des cas extrêmes, parce qu'il peut créer une dépendance. Ah, et dis ça pour tous les médocs. Non, non, il y a un truc pas net là. Elle se remet à jouer du piano. Elle n'est pas allée au travail et il y a ses cachets maintenant. C'est quoi la suite ? Bonne question. C'est quoi la suite ?
Alors, nous passons un merveilleux week-end ici. Ensuite, toi, tu remontes dans ton avion et tu t'en vas. Et moi, je dois rentrer à Leipzig. Vraiment? Oui. Je donne un récital. Ah, ça oui, évidemment, c'est autre chose. Dans ce cas, moi, je veux une invitation au premier rang, au milieu. Je ne suis pas un spécialiste de cette musique, mais je me contenterai de te regarder. Ça doit pouvoir se régler. Le type au guichet est très, très amoureux de moi. Oh, même totalement accro. Très bien. Seulement toi, tu n'as Dieu que pour moi et donc tu ne vas jouer que pour moi. Salut Olivier. Sandra est là? Oui, je croyais que toi et Sandra, vous n'étiez plus... Sandra? Alexandre te demande. Je reviens. Dis-lui de partir, je suis pas là. Sandra, t'es folle ou quoi? Fais ce que je te dis. Mais enfin, pourquoi? Olivier. Oh, ça y est, j'ai pigé. J'avais raison, monsieur Alexandre Roller, elle perd. Olivier, tu dis encore un mot et... D'accord, c'est bon, du calme. J'y vais. Elle est là, hein? Mm-hmm, ouais. Mais c'est clair qu'elle ne veut pas te voir. En tout cas, c'est sympa que tu te manifestes. Ah ouais? C'est sympa que je me manifeste? Excuse-moi, mais ta sœur, ça va faire une éternité qu'elle me donne plus signe de vie. Tiens, et tu peux me dire combien de fois je l'ai appelée, moi? Tu te calmes, s'il te plaît. Que je me calme. Je viens d'apprendre, et ça par le plus grand des hasards, que je vais être bientôt père, chose que la mère m'avait cachée. D'ailleurs, comment elle me l'aurait dit, hein? Puisque ça va faire des mois qu'elle ne veut plus me voir. Je suis sûr que ça va s'arranger quand le gamin sera là. Salut. Ça y est. Merci. Seulement là, j'ai deux mots à te dire, ma chère sœur. Et tout de suite. Non, ça va. Attends, mon sac. Ouais. Attention. Oh, c'était super. C'était vraiment super. Ouais. Marianne. Quoi? Marianne, je ne te laisserai partir que si j'ai l'assurance de te revoir demain. Philippe. Je n'ai qu'une interview à faire demain matin, ça se passera à mon hôtel, ensuite j'aurai toute la journée. Je ne serai libre qu'après 5 heures. C'est déjà ça. Et là, je te propose, avant de nous quitter, d'aller à mon hôtel et de boire un petit verre. J'ai une autre proposition à te faire, mais celle-là, je t'en parlerai quand on se reverra. Vert, c'est ce que tu as dit. J'ai menti, j'avoue. Mais je ne suis plus totalement responsable de mes paroles, de mes actes, ni de ce que je vais te dire maintenant. Viens. C'est la première fois de ma vie que je dis ça à une femme. Même mes deux ex n'y ont pas eu droit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule femme comme toi au monde. En tout cas, à mes yeux. On n'aurait jamais dû se quitter, c'était une énorme erreur. J'en ai pris conscience pendant ces heures passées ensemble. Il n'est jamais trop tard. Et si tu ressens la même chose, Marianne?
Alors toi et moi, nous pourrions être à Venise dès lundi. Je pars en reportage là-bas. Et après, j'ai des amis qui ont une maison en Toscane. Allons danser. Tu n'es pas encore couché? Où tu étais, maman? On s'est fait du souci pour toi. Et d'où sort cette robe? Oh, j'ai pris une journée, tout simplement, une journée pour moi. C'est un problème? Non. Non, le problème, il est ailleurs. C'est ça. Je veux savoir pourquoi on t'a prescrit ce médicament. Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est parce que t'as des crampes à l'estomac. Je veux une réponse, maman. Sois gentille, Sandra. Il est tard maintenant, je suis fatiguée. Tu étais avec un homme, je suis sûre. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? Attends. Nouvelle coiffure, nouvelle robe. Et tu as bu. Je vais monter me coucher. Je ne voulais pas vous inquiéter, je suis vraiment désolée. T'imagines, j'aurais même pas pu t'appeler si j'avais eu des contractions. C'est vrai, quoi. Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Tu me fais peur. Tu peux me parler, je suis ta fille. Je ne sais pas si tu vas comprendre, chérie. En fait, c'est comme si quelqu'un avait été aveugle et que subitement tout devenait lumineux. Toute cette clarté, c'est presque douloureux. Bonne nuit, chérie. Papa. Eh oh, papa. Oui, c'est quoi? Ton adjoint, Alexandre Roller. Est-ce que par hasard, tu sais s'il est maqué avec Catherine Janisch? Qu'est-ce que c'est que cette question? Oui ou non? Au cas où cette fille t'intéresserait. Toutes les semaines, c'est un nouveau gars qui vient la chercher au travail. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Pas si vite. Quoi? T'en es où de tes recherches d'emploi? Figure-toi que j'ai trouvé un boulot programmateur dans une société d'informatique. Je dois commencer en janvier. Janvier? Ouais, je sais bien, mais avant, je dois faire une formation au siège social à Osnabrück et j'irai vivre chez Claude après, comme ça, tu seras débarrassé. Dis pas de bêtises, je suis content pour toi. Ouais. Ah, tu as parlé à maman? Oui. Alors? J'en sais pas plus. Elle est restée très évasive. Moi, par contre, j'ai eu des résultats avec papa. Ton Alexandre, y a rien entre cette Catherine et lui. Apparemment, cette fille est dans un trip totalement différent. Tu l'as dit à papa? Tu lui as tout raconté? Non. Mais ce serait peut-être l'occasion de lui dire ce qu'il en est, enfin. Il est encore là? Il est au pieu. Il devrait déjà être parti. Oh. Papa? Papa? Hein? Il est 9h. Ta mère est déjà partie? Mm-hmm.
Tu devrais t'occuper un peu plus d'elle, quand même. Ça, c'est une idée. Seulement, il faut d'abord qu'on retrouve cette fille. Ouais, je sais pas. Son changement d'attitude et ses douleurs à l'estomac. Peut-être que vous devriez partir ensemble, quelque part. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Marianne. Là, ce n'est plus possible. Je n'ai plus d'autre choix que de m'en faire pour toi. Que tu prennes une journée comme ça pour décompresser et que tu te promènes avec de parfaits inconnus, moi, franchement, j'y trouve rien à redire. En revanche, si maintenant tu débarques à l'agence avec une coupe de cheveux géniale... C'était comment? Hier, je veux dire, ta journée libre? Oh, comme n'importe quelle journée libre. Mm-hmm. Coiffeur, boutique, les trucs habituels. Mm-hmm. Comment il est, ton camarade d'école? Vous vous êtes embrassé? Madame Lienhardt, il faut que je vous parle. Mm-hmm. Mm-hmm. Il n'a pas cru mon histoire d'arrêt maladie. Il va falloir lui trouver une autre excuse. Fermez la porte. Asseyez-vous. Madame Lienhardt, vous travaillez depuis plus de 10 ans pour moi. Jusqu'ici, j'ai toujours été très satisfait. Seulement, il n'est pas question que je tolère ce genre de dérapage. Je parle des libertés que vous avez prises ces derniers jours. Bon, il se peut que vous ayez des problèmes d'ordre privé ou que ce travail ne vous convienne plus. Vous êtes, je n'ai pas oublié, une pianiste confirmée. Mais, là encore, il n'est pas question de tolérer que tout ceci nuise à nos clients et aux différents événements musicaux que nous organisons. Par conséquent, ou vous redressez la barre, ou enfin... Ou sinon, je me verrai contraint. Monsieur Holtzman, je vous comprends. Mais vous auriez mieux fait de me tenir ce type de discours il y a 10 ans. Madame Lienhardt, je ne vous ai pas encore tout dit. Marianne? Je t'appellerai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous devez avoir une idée de ce qui s'est passé, vous. Dites quelque chose. Eh bien, prenez vos affaires, alors. Mais oui, allez-vous-en. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous êtes sérieux? Marianne? Je suis désolée, Evelyne. Quand tout ça sera terminé, tu me comprendras. Pense à moi, tu veux bien? Oui. Au revoir, Monsieur Holtzman. Et vous, trouvez-moi enfin un remplaçant pour ce charmant pianiste! Secouez-vous! Je suis désolée, je sais, j'arrive très en avance. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Je te demande une minute. Après, je serai tout à toi. Ça me fait très plaisir. Quelque chose ne va pas? Tu n'es pas comme les autres fois. Dis-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est vrai, je me dis que je devrais peut-être... Que je devrais peut-être tout simplement me vider la tête. Oui, je veux dire, vivre chaque jour comme si... Comme si rien d'autre n'avait existé avant. Bien. Essayons alors. Mais comment? Viens avec moi. Où ça? Tu verras bien. Rien n'a changé. Tu te souviens? Dans la cour de l'école? Mmh. J'avais un vieux vélo noir pour femme qui n'avait pas de vitesse. La chaîne n'arrêtait pas de sauter. C'est vrai. Ouais, et moi, j'étais ton mécano. Une fois, tu m'avais invité à manger une glace, et comme je n'étais pas rentrée pile à l'heure chez moi, j'avais été privée de sortie pendant 2 jours par ma mère. Oh, ta mère ne pouvait pas me sentir. Oh, arrête, c'est faux. Elle te voyait venir avec tes gros sabots. Elle sentait bien que tu pouvais représenter un danger. Mais non.
Le matin, tu allais à l'école et l'après-midi, c'était piano avec ce monsieur... Balthusen. Oui. Il voulait que je devienne une virtuose, Balthusen. Tu sens cette odeur? C'est exactement comme dans le temps. Oui, exactement. Là, en revanche, il y avait une vieille étagère en bois. Ils y exposaient nos travaux manuels, tu te souviens? Je vais t'expliquer. C'est très bien ce que tu fais jusqu'ici, très bien, rassure-toi, mais maintenant tu vas fermer les yeux et sentir vraiment la musique. Il faut sentir ce que tu joues. Marianne, tu ne te sens pas bien? Si. T'es pas malade? Non, ça va. Regarde. Tu te souviens? Tous les vendredis. Oui, après le cours de musique. Tu venais m'attendre ici. Et on s'était enfin embrassés. Et Madame Potzinger nous avait surpris en sortant. Bonjour. Oui, entendu, je te rappelle. Bonjour Evelyne. Marianne est là-haut? Ben non. Elle a donné sa démission à Holtzmann ce matin. Marianne, elle a démissionné? Oui, t'es pas au courant, est-ce que je vois? Non. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est allée. Paul, il faut vraiment que je te dise. Si tu continues comme ça, votre couple va bientôt connaître le même sort que le mien. Attends, ça veut dire quoi ça, si tu continues comme ça? C'est étonnant que toi, son mari, tu n'aies pas la moindre idée de ce qui arrive à Marianne. Evelyne, il y a un autre homme, c'est ça? S'il te plaît, il faut que je sache. Pose-lui la question. Il va falloir lui parler, Paul. Je te laisse. Oui? Où ça? T'es sûr? Oui, je connais. Où exactement? Oui, oui, j'arrive tout de suite, oui. Je te vois et plus je me rends compte à quel point tu m'as manqué. Ah, Marianne, si seulement je pouvais retourner en arrière, tout recommencer depuis le début. Avec toi. Ouais. Je dois dire que j'ai fait une sacrée boulette ce jour-là. J'aurais dû rester ici et me battre pour que ça marche nous deux. On était jeunes. On avait chacun ses rêves. Ton rêve à toi, c'était de passer à l'ouest un jour. À l'ouest, j'ai trouvé ma liberté, c'est sûr. Ma liberté chérie, mais... j'ai perdu mon grand amour dans l'histoire. Et si on allait au lac maintenant? Notre lac.
D'accord. Allez, avance. Le père de la fille arrive. Paul, je te préviens, il est assez nerveux. Monsieur Lienhardt ? Monsieur Kuhn, compte tenu des circonstances, votre fille va plutôt bien. Allez la voir. Oh, sincèrement, je ne sais pas comment vous remercier. On en reparlera. Jessica ! Oh, Jessica ! Allons-y, les gars. Oh, ma chérie. Ça va aller. C'est ton père qui m'envoie. Il veut savoir si ta mère est repassée à la maison tout à l'heure. Tu me prends pour une idiote. Non, il n'a pas pu venir lui-même. Il est avec le patron, il doit tout lui dire. Oh, s'il te plaît, ouvre cette porte! S'il te plaît, Sandra, ouvre. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Rien du tout. Non, en fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a un truc grave, mais elle veut pas m'en parler. Et toi, le jour où je suis venue te voir pour t'annoncer qu'il y avait cette Catherine assise sur ton canapé. T'es sérieuse, là, ou quoi? Tu m'as ignorée presque 7 mois, et tout ça juste parce que Catherine était sur mon canapé ce jour-là? Oui. J'ai eu... Oh, d'accord, je suis sortie avec Catherine, mais c'était pendant la formation. Ah, très bien, alors si tu l'aimes encore, on va la retrouver. Te sens pas obligée de rester près... Je n'en reviens pas. On dirait que le temps s'est arrêté. J'avais assisté à ton examen d'entrée au conservatoire de musique. Tu avais été impressionnante. Et après, je t'avais fait monter sur ma moto, une japonaise rouge, et nous étions venus ici, tous les deux. Tu avais pris du pain, du fromage, et je me souviens, tu avais pris ton poste de radio flambant neuf. Tout ça, bien sûr, sans arrière-pensée. Bien sûr, je n'avais aucune idée derrière la tête. Mais j'ai eu beaucoup de chance. La pleine lune, alors qu'on était nus dans l'herbe. Ça, au moins, je l'avais eu gratuitement. Ouais, aujourd'hui, on a moins de chance, malheureusement. Marianne! Catherine, tes commentaires, tu te les gardes. À toutes les patrouilles, t'entends? Mais discrètement. Et tous les messages sur le portable perso de Paul. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Maman n'est toujours pas rentrée. Je viens de lancer un avis de recherche, Paul. Maman prend un médicament très costaud. Regarde. J'ai appelé le médecin qui la suit, mais elle n'a rien voulu me dire. Peut-être qu'elle te le dira à toi. Mais attends, c'est... Quand est-ce que tu le sais, Sandra? Papa, tu devrais le savoir toi aussi. Tu oublies que t'es son mari. Oui, bon, je savais pas. J'avais pas le temps, j'étais... Elle savait très bien que... Oh non, quand elle est venue... Avant-hier au commissariat, ça devait être... Elle devait sortir de chez le médecin. J'étais en pleine réunion et... On cherchait la fille des Kuhn et... Et dire que tout ce temps, j'ai... Je savais pas. J'avais rien remarqué.
Marianne. Bonjour. Ah, bonjour. Dites-moi, est-ce que par hasard vous travaillez ici, dans cette agence de concert? Oui. Ah, alors j'ai de la chance. Ne me dites pas que vous n'avez aucune nouvelle de Marianne, vous non plus. Vous êtes au courant? Je ne sais qu'une chose. Depuis que vous êtes dans le secteur, tout part à volo. Elle a plaqué son travail, et comme si ça ne suffisait pas, elle a fichu son couple en l'air aussi. Ah, elle est mariée, alors? Oh, parce que vous étiez convaincue qu'elle allait passer sa vie à vous attendre? Au revoir. Attendez. Oui? Vous voulez bien me donner son adresse? Non, ça vraiment, je ne peux pas. Je suis désolée. Allez, faites un petit effort, soyez gentil. 70 allée des Bégonias, Lienhardt. Saluez-la de ma part si vous la voyez. Dites-lui qu'elle pourrait quand même penser à sa copine. Je n'y manquerai pas. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Beethoven. Il est mort à 57 ans. Chaque seconde de vie est précieuse, n'oubliez jamais ça. Vous pouvez y aller maintenant, dehors. Auriez-vous quelques instants à m'accorder? J'aurais besoin d'un professeur. Vous auriez besoin d'un professeur? Asseyez-vous, je vous en prie. Ça fait un moment que vous n'avez pas joué. Oui. Je dois admettre que ça a été dur. D'entendre et de comprendre que je n'étais finalement pas au-dessus du lot. Au début de mon mariage, je n'ai pas renoncé au piano. J'en jouais encore 3 ou 4 heures par jour, mais quand mon fils est venu au monde, Attendez. Marianne. Bonjour, monsieur Balthusen. Marianne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste un prétexte, en fait. Parce que j'avais peur qu'un jour, je ne sois pas à la hauteur pendant un récital. Ferme les yeux, veux-tu? Comme quand tu étais mon élève. Pose les mains sur le clavier, voilà. Tu sens les touches, Marianne. Et joue maintenant. Marianne, excuse-moi, joue ce que tu ressens, tout simplement. Quoi que tu ressentes. Autre chose encore, imagine quand tu joues que tu es seule au monde. C'est ça, la musique. Personne ne peut te l'enlever. C'est ta musique. Il faut la sentir, se l'approprier, tu vois. Tout le reste qu'on appelle aussi de la musique, les carrières, les concerts, les tournées, les disques et tout ce qui s'ensuit, en réalité, c'est très souvent de la technique. Oui, de l'acrobatie technique. Je dirais même de la vanité. Ma chère Marianne, une vie remplie de musique et d'amour.
Alors ça, oui, c'est de l'art, avec un grand A. Et dans ces cas-là, plus rien ne peut avoir de prix sur toi. Plus rien. Bon. Nous allons jouer quelque chose ensemble. Comme au bon vieux temps. Une pièce pour quatre mains. Mozart ? Mozart. À toi et au petit. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici qu'habite la famille Lienhardt? Oui. Madame Lienhardt est là, j'ai à lui parler. Oui, enfin, je veux dire Marianne Lienhardt. Non. C'est avec vous qu'elle était, c'est ça? Oui. Je suis déçu, j'espérais qu'elle serait là. Qui êtes-vous? C'est important de savoir qui je suis. Bien sûr. Je connais Marianne depuis l'école. Elle a été mon premier grand amour. Ne me regardez pas de cette façon. Je suis de passage à Leipzig, je ne suis là que pour quelques jours. On s'est rencontrés par hasard. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi elle a arrêté la musique? Elle avait beaucoup de talent. Ma femme était avec vous cette nuit. Oui. Mais rassurez-vous, il ne s'est rien passé. C'est quoi ces violentes douleurs à l'estomac? Est-ce que Marianne est malade? Vous êtes au courant? Où avez-vous vu ma femme pour la dernière fois? C'est bon, laissez tomber. Passez vite. Attendez une seconde. Ouais, d'accord. Vous êtes policier. Où avez-vous vu Marianne Lienhardt pour la dernière fois? Allô, docteur Wickman? J'ai bien réfléchi. Je vais me faire opérer. Le plus rapidement possible. Agence Holtzman. Marianne, enfin où tu es? Je te raconterai tout ça demain matin. Ça y est, tu as trouvé un remplaçant pour Krosowski? Non, je cherche toujours si tu crois que c'est facile. Arrête de stresser, je vais le remplacer. Toi, tu... Demande à Holtzman de te laisser partir plus tôt aujourd'hui. Non, il n'a qu'à venir avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans ton état normal, tu me fais peur, je te jure, Marianne. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rendez-vous au centre culturel, d'accord? À plus tard. Oui, entendu. Monsieur, toujours rien pour vous. Ah, tant pis. Au cas où elle arriverait, dites-lui que je suis au bar, d'accord? Comptez sur nous. Bonne journée, monsieur. Comme d'habitude, s'il vous plaît. Double. Madame? Bonjour. Où puis-je trouver Monsieur Hyde? Il vous attend au bar. Tout droit, madame, c'est indiqué. Merci. À votre service.
Paul Lienhardt ? J'ai trouvé votre épouse. Non, non, c'est elle, aucun doute. Reste assis. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Marianne. Si je suis venue, c'est pour te dire au revoir, Philippe. Et te remercier. Pour tout. Pour l'amour. Et pour la patience avec laquelle tu m'as écoutée et accompagnée pendant notre voyage dans le temps. En fait, je ne ferai pas cette escapade à Venise avec toi pour différentes raisons. Et puis, tu sais, je n'ai pas été honnête avec toi. Je suis mariée, j'ai deux enfants déjà adultes et... Je suis malade aussi, je dois me faire opérer et peut-être que je ne sortirai pas vivante de l'hôpital. Maria. Si jamais une seconde vie m'est offerte, je te promets de faire mieux que par le passé. Et cette force que j'aurai alors, c'est à toi que je la devrai. Et c'est pour ça que je voulais te remercier. Sans doute les collègues, ils sont à ta recherche. Quoi ? Tu as lancé un avis de recherche ? Oui, et j'hésiterai pas à le refaire. Oh, je suis vraiment touchée. Oui. Olivier ? Quoi ? C'est le bébé ? Oui. Arrête de paniquer. Appelle un taxi, on vous retrouve à la maternité. Oui, oui, ta mère aussi, oui. Comment ça se présente ? Tout va bien, Alexandre est avec elle. Alexandre ? Alexandre Roller, qui d'autre sinon c'est lui le père. T'étais au courant, toi ? Disons que je m'en doutais un peu. Ça fait longtemps qu'ils sont entrés ? Non, pas tellement. Mais Sandra n'en pouvait plus, elle a failli accoucher en venant, je te dis pas le stress. Ça y est, c'est fini, je crois que la maman a battu un record de vitesse, là. Il a les yeux bleus, c'est drôle. Ils sont verts les miens. Au début, ils sont toujours bleus, leurs yeux. C'est vrai ? Est-ce que tu es bête ? Maman. Je trouve qu'il ne me ressemble pas du tout. C'est une vraie merveille, ce petit bonhomme. Il te ressemble, Paul ? Oh ben non, j'espère pas. Il ressemble plus à son père. Je voudrais bien parler à maman. Ah. Alexandre, viens, on va discuter un peu dehors. Oui. Je reviens tout de suite. Maman. C'est grave, comment ? C'est grave. Si je ne me fais pas opérer, je risque de ne pas... Je n'aurai peut-être que 2 ou 3 mois à vivre. Et d'autre part, l'opération que je vais devoir subir n'est pas sans risque. Mais j'ai tout de même une chance de m'en sortir. Je le savais, c'est fou ça. Oh, maman. Promets-moi une chose, Sandra. Ne fais pas les erreurs que j'ai faites. Ne renonce pas à tout pour un homme et un enfant. Si tu veux être forte, tu dois vivre ta vie. Celle que tu t'es choisie. Et c'est qui l'autre homme ? Cet homme a été mon premier grand amour, mais c'est terminé. Papa a pleuré quand il a appris ce qui se passait, dans le jardin. Maman, si tu savais comme je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'as pas le droit de nous lâcher, t'entends? Oui.
À votre avis, on va encore attendre longtemps dans ce couloir? J'y retourne. Je peux? Va chercher un médecin, vite. Oh, c'est pas vrai. Oh, Paul, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Il faut que je... Tu sais, je risque de ne pas... On aura tout le temps de se parler après. Oh. Moi aussi, j'ai plein de choses à te dire. Non, je t'en prie, c'est après l'opération. Viens. Assieds-toi ici. Demande au chirurgien de mettre de la musique pendant mon opération, s'il te plaît. Ce qu'il veut, ça m'est égal. De la musique. Oh, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je reste là, t'inquiète pas. Je sais plus ce que c'est, l'œsophage ou l'estomac. Oh. Ma femme est suivie par le docteur Wickman. J'ai une tumeur maligne au pancréas, docteur, et il faut que je me fasse opérer. Vous êtes madame Lienhardt? Oui. Et préparez la salle d'opération numéro 2. Oui. Et prévenez le médecin-chef. Je reste avec ta mère. Préviens Sandra. Oui, bien sûr. Le docteur Werner arrive. Je suis là. Je reste avec toi, Marianne. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer en salle d'opération. Tout ira bien. Werner est notre meilleur chirurgien. Vous allez devoir attendre. Venez. Venez. Il y a une salle pour les familles. S'il vous plaît, docteur, ma femme voudrait qu'on mette de la musique pendant son opération. Je me doute bien que c'est inhabituel, mais elle est musicienne et la musique, oui, c'est très important. Oui, je vais en parler au docteur Werner. Votre femme joue de quel instrument? Du piano. Madame Lienhardt, nous préparons l'anesthésie et nous allons vous brancher sur monitoring. On va surveiller votre cœur et l'oxygène. On surveillera aussi votre tension quand vous serez endormie. Ok, encore un peu, c'est bon. Maintenant, le masque à oxygène. Ensuite, on va vous injecter le produit anesthésiant. C'est Bach. À la demande de Madame Lienhardt. Magnifique. C'est le morceau que ta mère avait joué à son concert de fin d'études au conservatoire. Ses camarades et ses profs s'étaient levés comme un seul homme pour l'applaudir. Ciseaux. Dès le premier regard, j'ai carrément été fasciné. T'as de la monnaie? Ouais. Elle... En fait, pour moi, ta mère venait d'un autre univers. J'ai jamais compris pourquoi elle m'a choisi, moi, précisément. Oh, arrête. Je suis sûr que tu n'étais pas si mal dans le genre. Oui, enfin, je veux dire, avant que tu fasses carrière. Pour qui, à ton avis? Pour la famille. Parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour sa famille. Et quand les enfants sont grands, quand la maison est payée, qu'est-ce qui reste, en fin de compte? Bon, papa, je vais faire simple, là. Sandra et moi, on est capables de s'en sortir seuls. Hé, hey, il faut vous occuper de vous, maintenant. Pourquoi il faut toujours qu'un truc pareil se produise pour comprendre? Oui, pour comprendre enfin les erreurs qu'on a pu faire. En tout cas, tu as vite compris, alors que moi, j'en ai mis du temps. Oui, mais si ta mère s'en sort, c'est sûr que... C'est sûr que beaucoup de choses vont changer. Oui, enfin, si maman y voit encore un intérêt. Tu l'as vu, ce type, non? Encore un peu. Ciseaux. Pince. Aspirer. Tamponner. Merci.
en a fini. Si elle passe les prochaines 24 heures et qu'il n'y a pas d'infection importante, eh bien, votre épouse sera tirée d'affaire, monsieur Liénard. Bon, ça c'est pour commencer. Nous verrons ensuite ce qu'il y a lieu de faire. Je voudrais la voir. Je comprends, mais on vient de l'emmener en salle de réveil. Vous ne pouvez pas lui parler. Faites comme votre fils, allez vous allonger. S'il vous plaît, je veux la voir. Bon, dans ce cas, suivez-moi. Alors ? Les nouvelles sont bonnes. Tout va bien. On pourra aller la voir demain. Ta grand-mère va s'en sortir. Vous revoilà parmi nous. Restez bien tranquille, surtout je vais aller chercher le médecin de garde. Ah, votre mari attend dehors. Vous vous sentez en état de le voir ? Monsieur Liénard ? Pas trop longtemps, hein ? Merci. Ça va ? Oh, tu es tout pâle. Attention, tu ne dois pas trop parler. Il y avait de la musique, j'ai entendu. Bach. C'était même mon morceau de fin d'études. Oui. Comment vont Sandra et le bébé ? Oh, très bien, rassure-toi. Mais arrête de t'occuper des autres. Maintenant, tu dois penser à toi. Il faut que je te parle, c'est important. Marianne, est-ce que tu me pardonnes ? Toi, pourquoi ? J'ai jamais été à la hauteur. Je me suis mal comporté avec toi. Ça ne date pas d'hier. Seulement là, je m'en rends compte. C'est fou. Tu n'as même pas pu me parler de tes ennuis de santé. Tu croulais littéralement sous le travail, Paul. Oh. J'avais de moins en moins de temps pour toi. C'était normal que tu m'attendes. Je ne me posais pas de questions. Alors tu m'aimes toujours à ce que je vois. Je ne t'ai jamais autant aimée.